qui voudra l'arranger. Let's go! Yo, c'est Julien Courquet sur un peu micro de la Capital One Arena. C'est début du jour de la tour 2. Mike, come on, Mike. Oh, nice pass, nice pass. Man! On est dans notre tour, quatrième jour. On est dans le bus avec l'équipe et on se dirige vers Wilmington. On va faire un état général des batteries des gens. Low batterie. Very, very, very low batterie. Bon, on est arrivé à Wilmington, le lycée de Laney. Là, on doit jouer AJ. C'est parti, on entre dans la salle de basket de Laney. Cette pièce ici a été refaite il y a 5 ans. Ça a été financé par Jordan. Vous devinez ce qui est, c'est ceux qui sont devenus pros. Quelques jerseys, dont celui de Michael. Il a fait un dunk de la ligne des lancers francs et c'est à ce concours-là qu'il a battu Jordan. Donc il était pour aller à l'université, mais il s'est retrouvé en prison. Il a fait 6 ans de prison. Pendant qu'il était en prison, ça fait, au bout de sa première année, Jordan s'était cassé le pied. Dean Smith, le coach Dean Smith, il cherchait en fait des joueurs et il savait que lui était le gros compétiteur et qu'il pouvait réhabiliter Jordan dans le bon sens par rapport à son jeu, par rapport à son style. Ils ont fait en sorte de le faire sortir de prison temporairement, enfin, juste pour qu'il puisse aller faire les entraînements avec Jordan. Bon ben la visite continue, il y a déjà deux terrains de basket, il y a du Jordan 2 partout. Et cette partie du bâtiment là, c'est Jordan qui a financé la construction et ils ont donné cette vitrine exclusive, White Only. Il y a quelques paires qui ont été commercialisées mais pas toutes. 5 ou 6 qui ont été commercialisées, les autres non commercialisées. L'ambiance a changé alors qu'on se dirige vers Charlotte. Il pleut. Il pleut, bergère, entre de l'or bouton. On a eu la pluie pas très longtemps. Là, il refait grand beau. I actually seen him take the ball and dunk it into the basket and pull it back out and hand it to the referee all with one hand. The referee fumbling with his whistle because he's about to call a tech because, you know, you can't dunk after, you know, call the whistle. Yeah, I'm on the floor and I'm looking up and I'm like this because thinking the ball is going to come through the basket and hit me. But he pulled it out and gave it to the referee. Jordan Tour, cinquième jour. On est dans la chambre d'hôtel à Charlotte. Petit résumé de la soirée d'hier en basket. Et aujourd'hui au programme, eh ben, match de Charlotte Hornets et court time de 1 heure. Bon, ben, on est arrivé au Spectrum Center. Bon ben on y est hein. Let's go. Bon là on est au rez-de-chaussée du Spectrum Center, on s'apprête à rentrer sur le terrain pour aller jouer.
Bon, ben, je rentre officiellement sur le parquet des Charlotte Hornets. On est trop vieux, mais on kiffe quand même. Bon, ben là, c'est parti pour le full court. Devant une foule en délire. Mike, come on, Mike. Oh, nice pass, nice pass. Man! Bon, bah, nouveau voyage avec Hardwork, nouvelle outlet, et on est encore parti avec des sacs alors qu'on voulait rien acheter. Jordan, grand Dieu. C'est le bâtiment où Michael Jordan a résidé pendant son cursus universitaire à North Carolina. Bon, bah, encore une journée de fou qui se termine. Demain, c'est jour 6, on part pour Chicago. Bon, bah, ça y est, on peut dire officiellement qu'il neige. On est au United Center, la famille.